Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, je suis blonde, enfin blonde pas vraiment, je suis encore un peu jaune sur les racines, mais bref, ça c'est une histoire d'une vidéo qui va arriver dans quelques jours si vous aviez répondu à mon sondage. J'ai toujours pas checké les résultats, mais en gros c'est ma hair journey. J'ai essayé, enfin je veux pas vous spoil, mais en gros j'ai essayé de me débarrasser d'un rose flashy pour être blonde, mais au final je me rends compte que je vais pas rester blonde indéfiniment. Enfin voilà, pour cette vidéo et pour les prochaine vidéo à venir un petit peu, je vais avoir des couleurs de cheveux différentes parce que j'ai tourné des vidéos un peu dans le désordre. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la Blue Blood de chez Jeffree Star Cosmetics. Je pense que c'était la palette que j'attendais le plus depuis qu'elle avait été annoncée. Donc je suis désolée, il y a beaucoup de reflets. Mais donc la Blue Blood, c'est la petite sœur de la Blood Sugar, donc de chez Jeffree Star Cosmetics. Elles ont à peu près les mêmes dimensions. Voilà. La collection est inspirée un peu, enfin la palette est en forme d'un cercueil. Moi je pensais, moi ça me faisait plus penser à, enfin, un prisme, un diamant en fait la forme, mais écoutez pourquoi pas. Moi j'adore tout ce qui est hors du commun, les esthétiques un peu décalées, donc moi j'aime beaucoup et je la pensais plus lourde et plus grosse que ça. Et en fait bah... pas du tout. Donc il n'y avait pas que cette palette dans la collection, il y avait aussi des highlighters et un kit de mini rouge à lèvres que je sais pas si je vais me l'acheter. Il me fait de l'œil et les highlighters liquides aussi, mais je suis pas trop highlighter liquide donc je pense pas trop. Ah oui, et j'ai un vrai piercing cette fois-ci, j'ai oublié de vous dire, donc je vais éviter de me maquiller ici parce que ça va faire presque une semaine que je l'ai et j'évite quand même de me maquiller autour pour bien que ça cicatrise. Et oui, vous énervez pas, je sais que normalement au début on met pas d'anneau pour le piercing. J'ai eu assez de messages comme ça sur Instagram, j'ai répondu à tout le monde en disant que bah la tatoueuse m'a dit bon je te le mets quand même, faut juste faire plus gaffe, voilà, donc bref. Tout va bien, ça ne s'infecte pas, je touche du bois, tout va très bien. Et donc, elle s'ouvre avec un petit truc juste ici. Et je pense que vous avez déjà vu l'intérieur et puis j'avais posté une photo sur Insta. Donc, elle ressemble à ceci. Donc, c'est la Blue Blood. Hein, forcément, il n'y a que des fards bleus, un peu de fard pêche. Je vous la montrerai de plus près, mais je la trouve vraiment magnifique. Enfin, elle est vraiment magnifique. Au départ je pensais que j'allais pas accrocher les fards bleus, donc il y a un grand miroir dedans comme vous pouvez voir. Je pensais que j'allais pas accrocher les fards bleus, mais en fait j'ai vu des swatchs, j'ai vu des looks faits avec et j'ai hâte de la tester. Enfin voilà, j'ai hâte de l'essayer et aujourd'hui dans cette vidéo ce que je vais faire c'est que je vais maquiller un œil avec cette palette là et l'autre œil avec la Blood Sugar parce que j'ai envie de faire un œil bleu et un œil un peu plus rouge. Ce sera mon œil gauche qui va être en bleu, donc du coup le droit pour vous je suppose, mais comme c'est mon bon œil entre guillemets, c'est-à-dire que c'est comme je suis gauchère, je vais avoir plus de facilité et au cas où si j'ai du mal à travailler les fards bleus, comme c'est des fards qui ont beaucoup de mal à se... Enfin les fards bleus et verts en général c'est des couleurs qui sont assez dures à travailler, donc au cas où si j'ai du mal je serai de mon côté de mon bon œil et mon œil droit ce sera avec la Blood Sugar, donc du coup c'est parti. Bon alors pour commencer on va commencer avec le teint, je vais aller assez vite avec ça puisque si vous suivez mes vidéos make-up, bon là je suis désolée je vais attacher ma frange, ça va pas être très glamour. Si vous suivez mes vidéos make-up, enfin j'en ai fait beaucoup dernièrement et j'essaye un peu de me diversifier mais là avec la sortie de cette palette je pouvais pas ne pas faire de vidéo dessus. J'utilise quasiment toujours la même chose en fait. Oh là mon dieu, c'est d'un glamour ce que j'ai. On dirait clairement Drago Malfoy. Je vais commencer par ma crème hydratante, c'est une crème de chez Yves Rocher, c'est la Hydra Végétale. Je l'avais testée en fait il y a quelques mois, mais j'avais testé une autre version. J'avais testé, je crois que c'était une pour peau grasse que j'avais prise, parce que là j'ai pris peau normale à sèche, et c'est pas la même texture que l'autre, et je préférais l'autre, mais bon. C'est pas grave, je me suis trompée. Alors, vous avez pu remarquer que je mets pas beaucoup de bases, voire j'en mets pas du tout, parce que toutes les bases que j'ai pu tester, elles m'ont donné des boutons. Je les ai toutes achetées chez NYX et à chaque fois elles me donnaient des boutons à part une, mais à chaque fois j'oublie de la racheter, donc je vais tout simplement utiliser un échantillon du Porfessional de chez Benefit. Avant j'utilisais beaucoup cette base là quand j'avais plein d'échantillons à chaque fois. Je sais que c'est une base que j'aime bien, la dernière fois je voulais l'acheter en grand format, je suis allée chez Sephora, j'ai vu le prix de la base en grand format, j'ai fait... Est-ce que tu veux vraiment mettre autant dans une base? Et je me suis dit non. Ensuite pour le fond de teint, je vais utiliser le Can't Stop Won't Stop de chez NYX, mais je vais utiliser deux teintes parce que vous vous souvenez, je vous avais dit que la Warm Vanilla c'était exactement ma teinte, mais je trouve qu'elle illumine pas assez mon visage en fait, et quitte à avoir le teint un peu plus clair, enfin je trouve que c'est trop ma teinte en fait, c'est pas assez clair, et j'ai la teinte Alabaster qui elle est beaucoup trop claire pour moi, je m'en suis rendu compte en l'essayant, et en fait le problème c'est qu'il n'y a pas vraiment d'entre deux pour ces deux teintes. Je suis relou hein, je me plains que les marques cherchent à faire trop de teintes et je suis jamais satisfaite, mais enfin bref, la Warm Vanilla est quand même celle qui me convient le plus,
Mais comme je trouve qu'elle illumine pas assez mon teint, bah je la mélange avec la Alabaster, mais pas trop parce qu'après je suis trop blanche. Ensuite, pour l'anti-cerne, on va passer au fameux Shade Tape de chez Tarte. J'ai acheté la teinte à plus clair qui était disponible au Sephora où j'ai été. C'est la 8B Porcelaine Beige. Donc je sais pas si c'est la plus claire qui existe, mais pour une teinte claire, je la trouve pas si claire que ça. Mais en tout cas, je l'ai déjà testé et... Ok, il est à 27€, mais il est vraiment bien en fait. Et je me suis ruée le jour même où c'est sorti chez Sephora. Je suis allée à l'ouverture du Sephora parce que je voulais être sûre d'avoir la teinte que je voulais. Et j'ai eu la teinte que je voulais, donc je suis bien contente. Mais bon, après, niveau couvrance, enfin, il déchire tout quoi. Ah oui, et si vous vous demandez, parce que j'ai eu aussi la question de est-ce que ça fait mal le piercing, forcément, on vous fout une aiguille dans le nez, mais la tatoueuse était super sympa, je lui ai dit, elle voyait à quel point j'étais stressée, parce que j'ai peur des aiguilles. Elle m'a dit, je te dirai quand tu pourras fermer les yeux, et au bout d'un moment, elle m'a dit, c'est bon, tu peux fermer les yeux. Et au bout d'un moment, j'ai rouvert un tout petit peu les yeux, j'ai vu une grosse aiguille en travers de mon nez, comme ça, je me suis dit, oula, on va fermer les yeux. Hein. Ça fait mal, hein. c'est un gros pincement, on a l'impression qu'on vous compresse la narine très très fort. Mais ça va? Non, ça va, franchement, moi je suis la pire des chochottes. Ça fait mal, mais ça dure genre 2 minutes. Enfin, ça fait mal, c'est pas une douleur intense. Ensuite, on va passer à la poudre. Donc j'utilise la Bake and Finish de chez Makeup Revolution et une houppette qui vient de chez NYX qu'il faut que je lave d'ailleurs. Parce qu'on dirait qu'elle est littéralement orange. Donc comme c'est une poudre de baking, elle m'a forcément beaucoup blanchi. Mais moi j'aime bien parce qu'elle matifie vraiment immédiatement. Elle est hyper épaisse et moi c'est le genre de poudre que j'aime bien. Je vais utiliser ma palette Life of the Party de chez Tarte. Donc qui est en fait une palette pour le visage. Donc vous voyez que j'ai bien creusé ce fard là. Donc c'est le fard que j'utilise pour faire mon bronzer. C'est le fard Tan Lines. Je vais l'appliquer avec un gros pinceau qui vient de chez Beauté Live. Et je vais l'appliquer sur les zones ordinaires hein, de là où on fait son bronzer. Ok, donc maintenant que mon contouring de mon nez est fait, que j'ai fini à peu près tout mon visage, je vais aller faire mes sourcils hors caméra. Je le fais hors caméra maintenant parce que ça devient redondant à force et que chacun a sa manière de faire ses sourcils, pardon. Je vais le faire hors caméra et je vous retrouve juste après. Donc, on va pouvoir commencer. Alors, en vérité, j'ai déjà commencé ce make-up, mais ça m'a pas plu du tout ce que j'ai fait, donc j'ai tout enlevé. Donc, on va recommencer. Si jamais ça vous intéresse, la Blue Blood, je l'ai commandée sur Beauty Bay à environ 52-53€ et quelques. Je l'ai reçue à peu près en une semaine. Et je vous conseille de la commander sur Beauty Bay si vous voulez pas vous manger des frais de douane gargantuesques sur le site de Jeffree Star Cosmetics. Donc j'applique mon anti-cerne 4 stop won't stop de chez NYX, une teinte que j'ai achetée qui était trop foncée finalement pour moi, et je l'utilise du coup en base à paupières. Et j'ai déjà appliqué en fait du fard à paupières beige, du coup pas ici, faut que je le refasse, pour pouvoir faciliter le dégradé de mes fards. Je vous le dis justement que je viens d'essayer quelque chose et que j'ai tout enlevé parce que ça m'a pas plu, parce que vous allez voir que j'ai certains de mes pinceaux qui sont un petit peu bleus, et pas que vous vous dites ah mais elle a déjà testé la palette hors caméra, non c'est juste que j'ai fait un truc qui ne me plaisait pas. Et donc je vais commencer par utiliser un pinceau qui vient de chez Beauté Live et le fard Blue Monday, donc qui est l'espèce de fard bleu foncé violet juste ici, et je vais juste l'appliquer vraiment au niveau de mon creux de paupière en coin externe, mais je vais pas en appliquer beaucoup en fait, je vais faire un espèce de dégradé de couleur si ça va être possible. Pour l'instant la paupière mobile on s'en fiche un petit peu puisque je m'en occuperai après. Ensuite, j'ai nettoyé un petit peu mon pinceau sur une serviette et je vais prendre le fard Flourishing, donc qui est l'espèce de vert d'eau un peu vert canard en fait. Et je vais l'appliquer juste à côté. Pareil, je m'en fiche un petit peu des dépôts que ça peut me faire sur ma paupière mobile. Je veux juste qu'il se dégrade en fait avec le Blue Monday. Et ensuite je vais venir prendre le fard Blue Blood et je vais l'appliquer, le même pinceau pareil que j'ai essuyé, et je vais l'appliquer en coin interne. Et bien sûr je vais estomper les couleurs entre elles. Et si jamais je vois qu'il y a une couleur qui se fait manger par l'autre, je viens la rajouter un petit peu. Parce que le but c'est qu'on voit vraiment les trois couleurs distinctes. Alors le Blue Monday il est assez compliqué à estomper parce que j'ai
J'y vais un peu trop violemment des fois et la matière elle se déplace assez facilement. Donc j'y vais un petit peu doucement. Donc ensuite j'ai gardé mon même pinceau de chez Beauté Life de tout à l'heure que j'essuie à chaque fois. Hein. Je vous le précise pas mais c'est évident quand même. Et je vais prendre le fard Blue Monday. Comment j'ai dit, c'est évident. Avec un ton hyper condescendant. Pardon. Je vais reprendre le fard Blue Monday et je vais l'appliquer en oblique. Donc il a pas mal de chutes mais c'est pas grave, hein, je m'en occuperai après. En fait depuis tout à l'heure je me demande pourquoi il y a un endroit où est-ce que le fard ne veut pas accrocher. C'est juste ici mais je me souviens, enfin je me suis brûlée il y a quelques semaines, quelques mois maintenant avec mon fer à boucler. Ça se montrait pas forcément avec tous les fards mais j'avais toujours un problème à ce que ça accroche ici. Et c'est pas une excuse, hein, je vais vous mettre une photo de ma brûlure juste ici que je me suis fait avec mon fer à boucler. Du coup voilà, la peau elle a du mal à accrocher. Ça va venir avec le temps mais ouais, je me demandais pourquoi j'arrivais pas en fait et c'est à cause de ça. Ensuite je vais prendre un pinceau plat qui vient d'un kit de pinceaux que j'ai eu sur Amazon et mon correcteur Can't Stop Won't Stop de chez NYX et je vais nettoyer ma paupière mobile. Je vais m'arrêter un tout petit peu après là où commence le bleu et je vais faire aussi cette cutrice au-dessus de mon pli de paupière naturel parce que je veux rajouter un petit détail qui j'espère va bien tourner. Je vais prendre un tout petit pinceau qui vient de chez Beauté Life, c'est un petit pinceau plat. Et je vais, en fait je veux tracer une espèce de ligne avec plusieurs couleurs en dégradé. Donc en fait c'est que je vais superposer, enfin mettre plein de couleurs les unes à la suite des autres sur les bords de ma cutcrease. C'est difficile à expliquer mais vous allez comprendre. Et ensuite on renettoiera ma paupière mobile. Donc au début ça va être un petit peu chaotique mais ça va bien se passer. Alors je vais commencer par le fard Eye Stray que je vais appliquer juste ici. Alors ce qui avait un peu foiré mon make-up que j'avais fait au début que vous n'avez pas vu, c'est que j'avais pris le fard Ocean Ice, qui est le fard bleu foncé ici avec plein de paillettes que j'aime beaucoup, mais je l'ai appris à mes dépens, c'est un fard qui n'est fait que de paillettes et il a beaucoup de mal à tenir avec un pinceau et je pense qu'il faut que j'utilise avec le doigt. Enfin je sais pas trop comment l'utiliser encore donc je vais pas retenter là à l'appliquer comme j'avais fait tout à l'heure parce que ça va encore tout foirer et j'ai pas envie. Ensuite après le fard Eye Stray je vais prendre le fard Entitled donc qui est un verre d'eau pailleté avec des paillettes un peu bleutées. Je vais l'appliquer juste à côté en essayant de bien mélanger les fards qu'il n'y ait pas une démarcation trop nette. Ensuite je vais prendre le fard Crystal Flesh. Pourquoi pas. Et on l'applique juste à côté. Alors par contre il est très joli. Hein. Et ensuite je vais appliquer le fard Deceased juste à côté. Et ensuite je vais redéfinir ma paupière en laissant une ligne apparente et nette. Je vais prendre un pinceau numéro 17 de chez Sephora et je vais prendre le fard donc Crystal Flesh et je vais l'appliquer ici. Donc je prends un pinceau qui est pas très précis parce que je le veux sur une large zone en fait. Ensuite je vais prendre le fard Cullinan donc qui est un fard blanc un peu irisé que je vais appliquer en fait sur toute la zone où j'ai rien et je vais utiliser un petit pinceau plat. Donc je vais m'occuper de mon ras de cils inférieur, je vais continuer à appliquer le fard Blue Monday avec le même pinceau. J'ai fini mon travail des fards, j'ai fini avec la palette. Ensuite je vais prendre un eyeliner pardon, Heavy Metal de chez Urban Decay. Donc c'est un eyeliner, ça c'est la teinte Midnight Cowboy et je vais l'appliquer en fait juste pour en tant que détail. Ensuite je pense qu'on a terminé cet œil là, je vais mettre juste du mascara, de toute façon après je vais appliquer des faux cils. Je vais reprendre mon pinceau de chez Sephora numéro 17 et je vais prendre le fard Cullinan. Et il est ultra pigmenté par contre, je vais l'appliquer juste ici en dessous de mon sourcil parce que j'ai envie d'avoir un petit côté un peu blanc, un petit peu brillant.
On a fini pour la Blue Blood, on va pouvoir passer à la Blood Sugar, donc si jamais cette partie ne vous intéresse pas, si vous avez déjà vu des tonnes et des tonnes de revues, je vous mettrai un petit timecode dans la barre d'infos pour savoir quand est-ce que la vidéo, quand est-ce que je passe en fait au reste du make-up. Donc on va commencer par le fard Cherry Soda, donc qui est le rouge foncé, et je vais l'appliquer en fait de la même manière que j'ai pu appliquer mon bleu foncé de tout à l'heure, mais avec un pinceau de Cheryl Techniques. J'ai pas vraiment commencé de la même manière, mais c'est pas grave, je vais juste l'appliquer vraiment hop, dans mon creux de paupière, mais seulement externe et en oblique. Ensuite, je vais prendre le fard Cavity, donc qui est le fard rose fuchsia, et je garde le même pinceau que j'ai juste essuyé. Je vais l'appliquer, hop, juste à côté, au centre de mon creux de paupière un peu. Et pareil pour l'estompage des bords, je verrai après, pour l'instant je m'occupe juste de déposer la matière. Et enfin, en coin interne, je vais appliquer le fard Root Canal, donc qui est le violet, avec le même pinceau que je viens d'essuyer. Et ensuite, je garde le même pinceau sans remettre de la matière et je vais estomper les bords de mes fards. Alors, j'ai envie que mon fard rouge, là, le Cherry Soda, il soit un peu plus intense, donc je vais rajouter le fard Fresh Meat avec le même pinceau que j'ai essuyé. Je limite ma consommation de pinceau dans cette vidéo. Et je vais l'appliquer en oblique et je vais légèrement le remonter. En fait, je veux juste intensifier le rouge, mais pas trop non plus. Et donc ensuite pareil, je vais reprendre mon petit pinceau de chez Beauté Live. Je vais commencer par le fard Sweetener, pareil avec mon petit pinceau que j'essaie de bien nettoyer parce que j'ai pas envie d'avoir du bleu sur mon côté rouge. Ensuite je vais prendre le fard Donor, donc toujours avec le même petit pinceau, et je vais l'appliquer juste après. Alors par contre ce fard, des fois il me brûle les paupières, je sais pas pourquoi. Peut-être que je devrais éviter de l'utiliser, mais des fois en fait j'ai l'impression qu'il me... Il m'irrite un peu les paupières, donc écoutez, je vais voir si là ça va faire pareil ou pas. Il doit y avoir un truc dedans que mes yeux supportent pas, mais comme c'est pas vraiment en contact direct avec mes yeux, ça va entre guillemets quoi. Mais juste, enfin normalement je devrais éviter de l'appliquer, mais bon. Ouais, je ressens, en fait il me chauffe la paupière. Et c'est bizarre, faudrait que je regarde de quoi il est fait le fard, parce que bon, j'ai pas envie de perdre mon œil quoi. Même si ça fait longtemps que j'utilise ce fard et qu'il s'est jamais rien passé jusque là, mais bon. Quand même. Et ensuite à la fin là de mon trait, je vais appliquer le fard Blood Sugar. Alors ensuite, une fois que j'ai ma ligne, je vais reprendre mon petit pinceau plat de tout à l'heure qui était comme ça, et je vais prendre le fard Candy Floss et je vais l'appliquer sur toute la zone de mon œil qui est vide. Et ensuite, je vais faire mon ras de cils inférieur avec le fard Cherry Soda. Par-dessus, je vais rajouter Fresh Meat. Je vais prendre le fard Sweetener et je vais l'appliquer avec le même petit pinceau crayon de tout à l'heure en coin interne. C'est un fard que j'adore en plus, je le trouve super beau. Et avec mon petit pinceau Sephora, là où j'ai essayé d'enlever le plus de bleu possible, le numéro 17, je vais prendre le fard Candy Floss et je vais l'appliquer en dessous de mon sourcil comme j'ai fait en fait pour l'œil bleu. Il manque juste quelque chose, j'ai envie de rajouter des strass, alors... En fait, c'est un espèce de petit kit, enfin un espèce de petit... Vous savez, les petits trucs qu'on achète chez Claire's, là, les trucs comme ça. Et moi, en fait, je découpe un à un les petits strass parce que je veux les coller à part, tout seul. Et là, j'en ai pris des quelques-uns en forme de gouttes. Et je vais mettre la colle à fossile là où je veux les mettre. Hop. Je vais essayer de les mettre là. Et donc, ensuite, on va pouvoir passer au blush. Donc, je vais utiliser un pinceau à blush. Je sais plus du tout d'où il vient, hein, mais c'est juste un pinceau biseauté un peu. Enfin, c'est exactement la même forme que j'utilise pour faire mon bronzer. Et je vais prendre
un blush, pardon, Super Shop Chic de chez Colourpop que j'ai bien saigné pareil. C'est la teinte Thumper. Et je vais l'appliquer vraiment en grosse quantité parce que moi, j'adore le blush. Et ensuite, une fois qu'on a fini avec le blush, on va pouvoir passer à l'highlighter. Alors là, ça va être la partie la plus fun parce que donc je vais humidifier un petit pinceau. À la base, c'est un pinceau pour étaler l'anticerne qui vient de chez Nocive, pareil, mais je le préfère pour l'highlighter. Je vais l'humidifier. J'ai plus de spray fixe plus de chez MAC, donc je mets juste de l'eau hein, dessus. Ça marche très bien. C'est juste. Enfin, je préfère le spray fixe plus de chez MAC. J'ai l'impression que ça marche mieux, mais là, j'en ai plus. Donc bon. Je vais prendre le Glow Kit de chez Anastasia Beverly Hills, donc le Aurora, et je vais prendre. Le fard, alors il y en a tellement que je vois plus c'est quoi le nom, c'est le fard Orion, donc c'est l'highlighter qui est bleu. Et comme cette vidéo tourne autour principalement de la Blue Blood, c'est cet highlighter là que je vais mettre un peu partout, ici, et sur le bout du nez. Mais par contre, de l'autre côté, on va appliquer un de mes highlighters préférés qui est le Metal Crush de chez Kat Von D en teinte rose choc. C'est vraiment un de mes highlighters préférés parce que c'est les highlighters de Kat Von D, c'est des paillettes en fait. Je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment des paillettes pures. Enfin, ça brille de fou. Si vous aimez pas les highlighters qui sont hyper flashy, je vous conseille pas celui-ci parce qu'il est vraiment... On le voit de loin et à chaque fois j'en ai, je mets des paillettes sur mon copain, je mets des paillettes partout. Je voulais juste rajouter un peu de crayon blanc dans la muqueuse aussi de mes yeux. Et on va enfin pouvoir passer au rouge à lèvres. Donc je vais mettre un truc nude parce que là les yeux, j'aime bien charger les yeux et les lèvres. Mais comme là les yeux sont de deux couleurs différentes, au départ je voulais faire une lèvre bleue et une lèvre rose. Mais j'ai pas de rouge à lèvres bleu. Donc je vais tout simplement mettre un nude, donc un NYX lingerie. Et je vais utiliser la teinte corset. Une fois que le rouge à lèvres est sec, je vais appliquer un gloss que j'ai acheté récemment qui vient de chez Too Faced. Donc c'est le nom, c'est le Eye Shine Sparkling Lip Gloss qui ressemble à ça. J'avoue que c'est le packaging aussi qui m'a beaucoup eu. Il est trop mignon et c'est la teinte All The Stars. Et c'est un gloss que j'avais swatché il y a très longtemps chez Sephora, je vous l'avais mis en story. Et il a des paillettes roses, violettes, bleues, il est vraiment super beau. Pour terminer cette vidéo pour mon avis général sur la Blue Blood, donc déjà j'espère que ce make-up vous plaît. Donc concernant la Blue Blood, moi honnêtement je peux vous dire je me suis ruée dessus parce que c'est du Jeffree Star et parce que le packaging est fou et parce que j'ai la Blood Sugar et je voulais la Blue Blood. Honnêtement les fards bleus c'est pas ce que j'utilise pour tous les jours, mais quand j'ai vu l'intérieur je me suis dit que c'était une palette qui était vachement intéressante en fait. Mais pour être honnête avec vous, il y a des fards qui sont hyper compliqués à travailler. Quand je vous ai dit que j'ai recommencé mon make-up une deuxième fois, c'est parce que j'ai utilisé le fard Ocean Ice, vous savez celui qui était mon préféré, qui l'était parce que maintenant il me fait peur. Et quand j'ai commencé à l'utiliser, je me suis rendu compte que bah c'était vachement pas ce à quoi je m'attendais. Je me qualifie pas comme une maquilleuse professionnelle, j'ai rien du tout, j'ai pas de diplôme. Je dirais pas non plus que je suis une ultra débutante, mais enfin voilà quoi, j'apprends moi-même en regardant des vidéos sur internet, je prends pas de cours ou quoi que ce soit, mais j'apprends de mes erreurs on va dire. Je trouve pour moi que cette palette est quand même... Elle vise pas un public très débutant, elle vise vraiment les personnes qui ont l'habitude de se maquiller et qui aiment jouer avec les couleurs et qui n'ont pas peur des textures différentes, qui n'ont pas peur de ce genre de fard, ce genre de couleur. Parce que moi vraiment au bout d'un moment je me suis dit c'est mort, je vais arrêter ma vidéo, j'arrive pas à m'en sortir avec cette palette parce qu'il y a des fards qui sont trop compliqués. Le fard que j'ai utilisé là, le Blue Monday, le bleu, il est hyper compliqué à travailler sans déplacer la matière, sans qu'il y ait des taches, sans qu'il y ait des trous. Honnêtement si vous hésitez entre les deux, si vous maquillez pas tous les jours, si vous le faites occasionnellement mais que vous voulez quand même une belle palette, je vous conseille plus la Blood Sugar qui est plus simple d'utilisation plutôt que la Blue Blood parce que celle-ci c'est vraiment...
Elle est compliquée, genre moi je sais que je l'utiliserai pas tous les jours alors que la Blood Sugar je l'utilise quasiment tous les jours. Mais en soi, niveau qualité-prix, enfin la qualité de cette palette elle est comme la Blood Sugar, c'est vraiment très très bien. Certes il y a plus de fards compliqués à travailler donc je vais devoir l'utiliser un peu tous les jours. Mais en tout cas voilà, si je peux vous conseiller, si vous hésitez entre la Blood Sugar et la Blue Blood, ça dépend en fait de ce que vous aimez. Moi je sais que si les deux étaient sortis en même temps, j'aurais d'abord pris la Blood Sugar parce que les couleurs c'est vraiment ce que j'aime, enfin vous avez vu que j'étais beaucoup plus à l'aise avec les fards rouges que les fards bleus forcément, enfin la palette je l'ai reçue ce matin, j'allais pas être à l'aise comme ça, mais voilà, moi j'ai une petite préférence pour la Blood Sugar, mais là enfin j'ai vraiment envie de tester toutes les choses que je peux faire avec. Enfin voilà, sur ce, avec ce look de Barbie, je vais vous laisser. D'ailleurs si vous vous posez la question, mes boucles d'oreilles viennent de chez Boohoo, et mon haut je vais vous le montrer plus en détail parce qu'il est trop mignon, un de chez Bershka que j'ai acheté sur Asos, et sur Asos il avait pas du tout cette couleur là. Quand je l'ai reçu je me suis dit ça fait un peu Barbie, mais bon c'est pas grave. En tout cas si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à vous abonner et aussi à activer la petite cloche pour recevoir une notif à chaque fois que je poste une vidéo. Je vous invite également à me suivre sur Instagram et sur Twitter, mes pseudos sont à la fin de la vidéo et dans la barre d'infos. N'hésitez pas aussi à bien me suivre sur Instagram parce que je vous tiendrai en courant. Oh, j'arrive pas à faire des phrases, il est tard, il est 23h. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram puisque je vous tiendrai au courant quand j'aurai enfin ma date de passage dans Beauty Match. Là pour le moment c'est pas dans les deux prochaines semaines à venir, mais bon. On croise les doigts. En tout cas, moi je vous fais des bisous et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye !